Oh mon petit Luigi, alors mon petit Luigi, alors. On va skip, c'est par ici le camping. Ouais, je sais pas où l'entrée. Wow, c'est stylé mon gars. Oh, ils sont tous là-bas. T'es moi, je vais arriver en scout direct. Wesh, bande de gang. Je te reconnais. Ça va ou quoi? Ouais, monsieur. Wesh, les gars. Oh, qu'est-ce que tu fous la modèle? Descends le scooter. J'étais un peu en retard, j'ai volé un scooter, monsieur. Descends de là, mon modèle. Demain, je vais taper sur toi déjà. Yeah. Oh, c'est stylé ici, hein. Oh là là. Tu m'as manqué. Ouais, monsieur directeur. Wesh, bien ou quoi? On a des choses de carotte. Et t'as pas changé, hein. Bien, bien, bien. Faut que je te vois une minute. Bon, allez, bouton, on entend papa. Ça va avec tes boutons? Ah, tu sais quoi? Monde, là, j'entends plus. Vas-y, attends, je vais garer mon scout, mon frère. Ah, oh, vas-y. Putain, il est trop stylé, mec, ton scout, là, franchement. Vas-y, viens, boutonner. Viens, vas-y, cab. Vas-y. Allez. Lève-le. Attends. Je vais recommencer, mon frère. Vas-y. Dans leur cas d'étudiant. J'ai un petit peu embêté. Allez. Wow. Oh là là, ils se sont pris, là. Eh, toi, descends de mon scout. Eh, ça va mal aller, toi, on va pas s'attendre. Descends de mon scout. C'est qui sur le scooter? Je vous vois pas, Momo? Non, c'est pas moi. Momo, il est là-bas, t'as vu? Regarde, va voir là-bas. Allez, on cabre, mon frère. Il y a R. Allez, on continue à cabrer. On est toujours en cabrage, mon frère. Oh ouais, regarde ça, wesh. Oh merde. Non, fais gaffe, t'es un fou, toi. Attends, t'as cru on peut faire du skate avec? Elle m'a l'air... Oh, les périmères, elle m'a l'air déjà chaude. Ah ouais? Mon gars, c'est ouf. Vas-y, attends, t'es mal là. Non, oh, fais gaffe. Hop là. T'as vu ce pilote? Oh, mais t'es un fou, toi. Ah, monsieur Vin Diesel, ça fait longtemps. Tu dégages. Oups, désolé. Oh les gars, t'es bon, y'a la voiture derrière nous, wesh, ils nous cherchent. Oh merde, casse-toi. Foutez-vous, bande de voyous. Arrêtez-vous tout de suite là. Foutez ma gueule ou quoi, vous là? Ça fait une demi-heure, vous cherchez partout, bande de petits cons là. Monsieur Picao, une demi-heure que tout le monde vous cherche partout là. Vous voulez que vous tapez sur vos gueules ou quoi là? C'est quoi cette connerie là? Viens ici, boutonneux, je vais te taper sur toi aussi. C'est bon, on y va. Allez, une demi-heure qu'on vous cherche pas tout, bande de wakai. Putain de merde. Je savais que j'aurais pas dû venir à cette connerie là, que j'allais retomber sur vous, la bande de wakai. Merde. Bordel. Je devais être toi qui l'a en vacances. Allez, dépêche-toi, Momo, tu touches pas de scooter. Ouais. Va mettre ta tenue, Momo, bordel de merde. Ah bah si, y'en a qui a été trouvé. Non mais monsieur, c'est des sonnettes tout ça, c'est des sonnettes. Chapeau, monsieur. Ouais, ça va très bien, monsieur. Mettez les habits là, une demi-heure qu'on attend pour vous là. Il est pas de Wakai. Il est pas changé. Il est pas changé. Va mettre ta tenue, Momo, derrière. Venez là, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Venez mettre la tenue. Bonjour. Et toi, la tenue. J'entends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Voyez, il y a la tenue. Eh, Vin Diesel, ça va ou quoi? Mon Dieu, je vais taper sur lui. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? J'ai pas entendu. Va mettre ta tenue, Momo. Une demi-heure qu'on attend pour vous là. Là-bas, la tenue. Monsieur, vous pouvez répéter? J'ai pas entendu, s'il vous plaît. Eh ben, les cons n'ont pas commencé. Va mettre la tenue. Je te jure, je vais te déboucher les oreilles à ma façon là. Oh, allez, dépêchez-vous, bordel! Wesh! Voilà! Il la droite! Je tiens à préciser que le directeur a dit qu'il allait pas taper, hein. Je vous avais dit pas comme si vous n'avez pas cherché. Quoi là? Allez, les petits là! Rien, monsieur, vous allez arrêter de me taper, hein. La vérité, ça commence mal, moi je vais me barrer. Ouais, tu vois, t'étais honnête, mon pote. Je vais vous faire du sale cette année si vous commencez comme ça, je vous le dis direct. Bon, cette année, écoutez, je suis là, j'aurais pas dû être là, mais j'ai eu comme une petite punition des hautes autorités là. Parce qu'on m'a reproché de toi. Ah, ça te fait rire, poil de carotte? Bon, bref. On m'a reproché de toi taper les petits là. On m'a dit, monsieur Picao, vous tapez trop les petits, donc vous allez être punis là, vous allez être en camp d'ado avec eux là. Oh putain, camping avec vous, bordel de merde. Bon, bref. Donc cette année, j'ai promis jouer, je vais pas taper. Cette année, je tape pas. Ça fait plaisir, monsieur. Eh ben, monsieur, rassurez-vous, les petits. Cette année, je vais pas taper.
Cette bah, année, je vais fracasser des gueules. Je vais péter des gueules. On va commencer les cours aujourd'hui. On va présenter vos professeurs rapidement. Il y aura 4 classes cette année. 4. 4 comme ça, 4. Bon, regardez, déjà d'un côté, on va mettre Poil de carotte, Momo boutonneux. Côté là-bas, côté droit. Rob, ensuite, on va mettre. Rob, on se met ensemble, ouais. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Bah ouais, mais ça, ensemble, ça veut dire on est la classe de loser, mon frère. Ils vont rien nous faire à nous. Tu vois, on va mettre. Ah ouais, merci, vous la fermez, pas Karim, c'était pas Karim en tout cas. Ouais, toi là, regarde, toi. Toi, le petit là. Avec la cravate, là, tu viens là. Toi. Voilà. Ouais, moi je vais te fracasser, j'ai entendu qu'est-ce que t'as dit. Ah, on va venir non, j'ai te rien voir, dit, pour je parlais de fricasser des spelettes, vous savez, c'est un plat typiquement espagnol, vous savez. Ah ouais, salut les gars. Ah d'accord, j'ai pas bien compris. Et lui, on va le victimiser dans les toilettes. On va faire quelque chose. Voilà pour la première classe, deuxième classe. On va mettre 3. Espérier, mais pas être avec toi. Mon pote, t'as vu ce soir dans la caravane, toi et moi, on va faire comme ça, mon pote. Tu vas me faire ça ce soir. Voilà. Tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça, t'as vu. Il y a des PD ici, il y a des PD ici. Ah non, ça va pas être possible. Oh, écoutez, on va faire toi en classe. Il y a tous les boutons qu'il y a sur la tronche. Qu'est-ce que ça vous. Messieurs les professeurs, vu l'homme, on fait toi classe. Trois classes de 4-5, ça vous va. Vous pouvez vous taire un peu, s'il vous plaît. Merci. Oui, chef. Qu'est-ce que vous a passé? Ok. Da, ça va être bien. Alors, oui, toi. Toi là, celui qui l'avait. Vous êtes une femme ou un homme? Parce que vous ressemblez à une femme, mais vous avez un voix d'homme. Je suis un homme. Je sais, j'ai les cheveux longs. Mais enfin, le physique de chacun. Voilà, je suis un pourquoi homme. Pourquoi vous avez les cheveux longs? Vous aimez les hommes, peut-être? C'est pour ça vous voulez peut-être être une femme? Non, ouais, non, c'est juste que. Non, c'est juste que. voilà. Mais, vous avez une robe sur vous? Ouais, c'est pourquoi c'est vous portez un manteau. C'est pas la même chose. Pourquoi vous portez un manteau alors qu'on est en été? Pourquoi vous portez un manteau alors qu'on est en été? Je vous expliquerai. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas eu le temps de l'enlever. Vous je vais arriver un peu tard. Mais... Monsieur. Est-ce que vous... Non, ouais. Pas du tout. Est-ce que vous avez mon physique un petit gag? Pas du tout. Alors, du coup, alors, vous tu levais la main avant, s'il vous plaît. Oui, toi devant moi là. Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que je peux vous appeler Monsieur Blondinette? La prochaine question comme ça, tu sors. Tiens, peu direct. Est-ce qu'on est d'accord? Ah bah voilà, hop là. Il commence pas. Une toile, allez. Oh là là. Oh là là. Pourquoi tu l'as pas volé, toi? Alors, bon maintenant, continuez. La prochaine fois, je rajoute encore 5 minutes. Voilà, et tu te lèves, toi. Allez. Vous donnez Léo, tu te lèves. Il se barre, frère. Ok, monsieur le surveillant, s'il vous plaît. Il se prend pour un asticot, mon frère. Prenez-le. Sortez-le, là. Vas-y, sortez-le, là. Allez. Allez, on sort. C'est le lavastico, c'est le lavastico. Oh, s'il te plaît, tu veux sortir avec lui? Non, mais voilà, je croyais qu'on était en cours de chant. Tu cherches des verres? Moi, j'avais une question. T'aurais pu jamais dans mon conseil. Il y a un verre de terre dans ma poche. Il y a quelqu'un qui a mis un verre de terre dans ma poche. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse ça. Il y a un mec qui met des verres de terre dans ma poche. Sincèrement, là, vas-y, allez, prenez-le. Ça ira plus vite. Allez. Non, mais il y a quelqu'un qui a mis un verre de terre dans ma poche. Wesh, c'est pas de ma faute. Prends l'homme là en moi. Là là. Les ceux qui font n'importe quoi là. Mais monsieur, monsieur, il y a quelqu'un, il a mis un verre de terre et c'est notre faute. Et c'est notre faute, on a rien fait. Mais on a des verres de terre dans notre poche, nous. Et ça bouge. Donnez-lui. Donnez-lui le verre de terre. Eh oh yo, enlevez-les. Voilà, vas-y. Attendez, je vous le donne. Voilà. Oh, vous allez arrêter là avec vos verres de terre, sinon je vais vous mettre là où je pense. C'est rapide. Monsieur, regardez, monsieur là, c'est des trucs bizarres là. Monsieur, mets-le dans la poche du prof, moi c'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais non, vous allez écouter vos camarades et vous allez vous taire. Non, non, par contre, non. Ces trucs comme ça, tu vas arrêter, ok? D'accord? C'est monsieur, rien d'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Non, mais voilà. Tout le monde a un surnom ici, monsieur. Ah, putain, d'accord, monsieur. Oui, Shakira. Et ben moi, tu me donneras un surnom, je sais pas. Moi, on m'appelle Chewing Gum. On m'appelle Chewing Gum, tu vois? Parce que j'ai un problème au tendon. Ah non, c'est Blondinette, c'est bien. Non, oui, c'est Blondinette. En classe, il y a X-Tentation, il y a Monsieur Prof, il y a tout le monde. Bref, vos surnoms, vous vous débrouillez. Alors, toi avec les lunettes, s'il te plaît, tu veux sortir? Là, tu prends le mec en bleu, là, c'est un peu vite. Excusez-moi, monsieur. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit, wesh. C'est un ouf. Arrête d'interrompre. Excusez-moi, votre cours, là, votre cours, c'est de la discrimination, wesh. C'est quoi votre cours? Ah ouais, discriminé. Non, non, je vais vous expliquer un truc. Là, de base, je vais vous dire. Oh, fermez votre gueule là, fermez vos gueules.
oui. Là, c'est pour se présenter. Ils font n'importe quoi, je les remets en place, tout simplement. D'accord, mais ça fait 20 minutes que vous les remettez en place, là, c'est... Et bah, parents, ils ont payé cher, quoi, hein. Ils font n'importe quoi. Mais... Et alors, et bah, alors, justement, moi... Et alors, faut les respecter, et alors, et bah, justement, ils font pas de bêtises. Oh, là, oh, le bleu, il va se fermer, maman. Oh, le prof, là, tu vas me laisser en placer une, là, bon, je m'énerve, là. Oh putain, oh, oh, ça bouille entre prendre. Ça va se baston. Ça va se baston. On a un bruit ici. Un bruit des dunes dans sa face. C'est bon. Est-ce qu'il y aura des gens qui respirent? J'aurais pas aimé. T'es mort, t'es mort, mort, mort. Auréole, il est... C'est bon, vous allez arrêter là. Auréole, il est un peu vénère en ce moment. Eh mais c'est bon, j'avais pas mis une patate. Je m'en fous, en fait. Vous respectez même pas, sincèrement. Oh, là, les pacou. Wow. Il y a des copains, vous, ils sont montés. Wow, c'est stylé. Là, c'est des petits pacou. Ah, le numéro 1. Monsieur. Ouais, tu peux, mon petit. Y'a pas de problème, c'est quand même les vacances. Bien. Ouais, y'a un méga plongeoir. Eh, vas-y, je vais le faire. T'expliquer à c'est toi. Wouah. Oh. 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 Viens maman. Et t'es magro. Et tu crois que je peux sauter au parcours 3 là? Là il faut courir. Tu crois que je peux sauter au parcours 3? Arrête, fais pas de conneries. Fais pas le con, fais pas le con, j'ai confiance en mon corps, Théma. Regarde, regarde, t'es prêt? Vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Oh, oh, oh. Vous voulez faire des... Oh, oh, vous voulez faire des pantonneuses? Regardez ce que j'ai trouvé dans votre pantonneuse. Oh, 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 what? C'est quoi ça, gros? Je l'ai volé dans ses poches. Oh, il danse la techno, mon frère. Wesh, ça sent pas très bon ici, hein. Vous êtes pas fait caca dans le froc, vous? Vous êtes pas fait caca dans le froc? Wesh. Oh, je m'énerve maintenant. Vous êtes malade, vous faire... tapez des élèves comme ça, vous va porter... Arrêtez, c'est pas un élève, c'est un macaque, lui. C'est un macaque, un macaque. Qu'est-ce que c'est qui le macaque? Bon. Tu te fais caca dans le froc, tu parles. Faire... macaque, c'est pas grimpé. Vous voulez faire des tamponneuses? La tatatopalopopopo? La quoi, monsieur? Vous pouvez répéter? Wesh! Ah, il est fragile! Ah oui, il est fragile! Et les gars, pourquoi vous êtes son copain? C'est pas quoi d'être son copain là? Pourquoi vous êtes. Ah, venez, hein! Avec moi, vous allez bien vous amuser! Reculez les élèves! Oh, ça va tomber! Là, ça va tomber! Allez! Cher! Volez. Non, mon petit Luigi. Ah bah alors, mon petit Luigi. Eh bah alors. Eh bah alors, mon petit Luigi. Eh bah alors. Ça va bien. C'est quoi les vers de terre? C'est quoi les vers de terre? Mettez des vers de terre dans sa bouche. Eh, maman, t'entends? Moi, je filme. Vas-y, je filme. Alors, mon petit Luigi. Alors, mon petit Luigi. Comme ça. Un petit coquin, hein, t'aimes pas trop Zoé, hein, tu préfères les hommes, hein. Ça va, les gars? Wesh. Oh, maman, elle est grillée, ça fait des mariages. Pourquoi tu voulais me coller? Wesh, je crois que Gex est devenu une merguez, mon pote. Les petits, vous allez pas faire ça, vous allez finir à l'hôpital quand même. Attendez, enlevez-vous, moi je vais faire avec la mini-voiture, là, le truc. Ah ouais, j'ai chié, ça monte pas, j'ai déjà essayé. Ah ouais, t'es connu, enlevez les vélos là. Enlevez les vélos. Ah ouais, t'es connu.
Ah ouais, t'es saoulé, t'es là. Ah non, wesh, monsieur, vous avez cassé la voiture. Eh ben tant mieux, t'es malade ou quoi, tu vois, tu vas monter là-haut, tu t'es cru où là, Momo? T'es à l'école ici quand même. Ouais. Ah ouais, le passé. Oh, modèle, modèle. Oh, pardon, pardon. Comment ça t'appelle, Momo? Oh, Momo, bordel, je vais te démonter, Momo. Ah, il est motivé. Aïe, aïe, aïe. Sécurisé, hein. Vas-y, cours, cours. Quoi, il se passe quoi là, Momo? Je crois qu'il y en a un, il est tombé, monsieur. Ah, Momo, tu m'as poussé tout à l'heure. Non, c'est pas vrai, c'était pas moi. Oui. Ouais, t'es sûr, hein? Tu veux essayer un truc, sauter par là-bas jusqu'à le... Attends, moi je vais réessayer. Je vais aller au numéro 3. Numéro 3. Vas-y. Attends, vas-y. Attends, fais-moi de l'espace. Fais-moi de l'espace. Descends un peu, descends un peu. Vas-y, passe, tu peux passer là. Vas-y. Doucement. Eh, me pousse pas, me pousse pas. Regardez-moi ça, Momo, c'est un thug. Voilà, si tu... Non, non, t'inquiète. Ah, mais là, tu m'as tenté là, putain. Non, mais non. Ah, ah. L'histoire s'appelle... Que je vais faire à Zoé ce soir. Ouais. Oh, madame Zoé, j'aimerais c'est... pas... Non, c'est pas une histoire, ça. Il vous manque de respect en public. Déjà, Zoé va dormir avec nous. Il vous manque de respect en public, franchement. Envoie une de vos couilles, monsieur. On s'en fout de la sardine. Ouais, ramassez vos couilles. On s'en fout de la sardine, là. Putain. Ouais, va revenir. Sardine. Il vous manque un côté de couille. Vous êtes monocouille ou quoi, ouais, monsieur? Ouais, ça part, monsieur, là. Il y a trop de poteaux. Il n'en a qu'une seule. Mais il parle de qui? Vas-y, ah, pas de toi, regarde, arrête, t'es carté devant nous, putain. Et où? Oh, c'est monocouille. Il y a trop. Je me cache, gros, c'est horrible. On dirait un film d'horreur. Ouais, regarde si c'est vrai ce qu'il dit. Quoi? Ah si c'est vrai, il manque une boule. Oh merde, il manque une boule, je suis désolé. Il manque une boule. Et qu'est-ce que tu... Ah moi j'ai toutes les boules, moi Zozo, t'inquiète. Allez vous faire. Moi je me casse. Vas-y, raconte ton histoire, c'est bon, vas-y. C'est bon, on rigole. Attends, je crois que je l'ai retrouvé. Attends, regarde. Attends, je crois qu'elle est là. Oh mon dieu, tu vas avoir un peu. Attends, fais quoi? Ah ouais, c'est la. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Quel mal à pouille, ce moment. Ah, il a perdu. Il a fait tomber ses couilles, le con. Allez, madame Zoé. On va continuer une histoire. Ils sont tous énervés, les petits là. C'est ça.